Unajitapia raisi wetu, utawala wakim waleta furaha. Watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha. Kwa malipo ya masomo kwa bure, uishi milele. Imana ya Congo, na sepeli komo na president ngai Tshisekedi yo, na vile na biso ya mboka oyo ya Congo, Bukavu to sepeli mingi komo na ye, yango yo ngai na kometale maboko, maboko, yango yo ngai na koyembela ye, yango yo tika na ebisa ye na motema na ngai yo, umela president ngai. Umela papa Tshisekedi, umela, 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 umela papa nanga yo, oh, oh, oh. Mon président Chilombo. Voilà, chers compatriotes, rebonjour ou rebonsoir, bande Konabiso Babolingo. Voilà, c'est juste un flash ce soir pour vous présenter... une vidéo de la rencontre du président de la République avec les députés de l'Union Sacrée, y compris avec les députés frondeurs. Il les a vraiment rassurés. Voilà, il parle des élections, il confirme bel et bien que les élections auront lieu. Il parle aussi de l'identification. Il dit que ce n'est pas un problème. Il est possible, il s'est renseigné auprès des spécialistes, que les élections peuvent avoir lieu d'une façon concomitante avec l'identification nationale. Et il se plaint aussi à propos des gouverneurs. Pour un oui ou pour un non, les gouverneurs sont débarqués. Il demande aux députés de trouver un mécanisme pour réparer ce problème. Il y a aussi le problème de la nationalité. Eh bien, concernant la nationalité, il dit qu'il faut qu'on trouve une solution pour les Congolais qui sont à l'étranger, des Congolais qui sont belges, américains, etc. Et qu'il faut que les députés trouvent un mécanisme pour faciliter à ces Congolais de l'étranger d'être accueillis dans le pays et de les faire participer sans aucun problème, sans embargo, voilà, aux affaires du pays. Voilà, chers compatriotes, regardez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Je vous le dis, je vous le confirme, il y aura bien élection en 2023. Je suis issu d'un moule dans lequel on m'a forgé pour les élections. Les élections sont le seul, pour nous, le seul thermomètre qui peut indiquer la bonne marche d'un pays. Il n'y en a pas d'autre. On ne s'éternise pas au pouvoir. Ici, l'idée est de simplement bien faire les choses. Nous avons connu des élections tumultueuses dans ce pays. Moi, je n'en veux plus. Je veux que si demain nous organisions des élections, il n'y ait plus de contestation. On n'ait plus une ribambelle de candidats à la Cour constitutionnelle ou ailleurs en train de brandir leurs preuves d'élection ou de ceci et cela. Ça ne va pas. Donc vous devez réfléchir à nous donner un processus électoral qui soit crédible, qui soit clair et qui puisse permettre à tous ceux qui sont élus et ceux qui ne le seront pas d'avoir la même lecture. Et pendant ce temps, en parallèle, le processus électoral va devoir continuer son bonhomme de chemin. En plus de cela, il y a eu ce fameux débat sur le recensement, l'identification de la population.
Mais ce n'est pas un prétexte, rassurez-vous, pour ne pas organiser des élections. J'ai parlé et rencontré plusieurs spécialistes en matière électorale qui m'ont dit et certifié qu'il y a moyen de faire ces deux choses de manière concomitante pour avancer. Nous avons besoin dans notre pays de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Nous avons besoin dans notre pays de savoir combien de Congolais vivent dans notre pays, combien sont à l'étranger. C'est une chose qui est tout à fait normale parce que cela permettra d'organiser notre développement et d'aller vraiment aux besoins des populations. C'est quelque chose de primordial lorsqu'on veut aller loin avec un pays. Donc ne vous laissez pas manipuler par ce genre de discours qui consiste à faire croire qu'il y a anguille sous roche. Les militants sur les réseaux sociaux et les pseudo-journalistes, laissez ça à ceux qui font ça. Nous ne sommes pas venus là où nous sommes pour continuer de militer, non. Maintenant, nous devons regarder les choses avec réalisme. On ne doit pas se laisser entraîner dans de la manipulation, qu'elle soit nationale ou internationale. Il n'y a en nous aucune intention de fuir les élections, pas du tout. Nous allons les affronter comme nous l'avons toujours fait, la tête haute, et sûr d'ailleurs que nous réussirons. Je vois les choses qui peuvent ruiner les efforts de développement de ce pays, c'est notamment le tumulte, le tohu-bohu que l'on constate dans nos provinces. Ça devient insupportable. Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, un gouverneur est débarqué, un président de l'Assemblée provinciale est débarqué. Ça devient vraiment un capharnaüm qui fait que je ne crois pas de péréquation qui va leur permettre de se développer. Nous avons d'autres idées par rapport à l'agriculture, par rapport aux infrastructures pour permettre à ces entités de... Est-ce que nous avons la même compréhension par rapport aux attentes de notre peuple? Ça devient vraiment infernal. Et je vous prie vraiment de vous pencher sur cette question parce que c'est sérieux. Nos provinces ne peuvent pas toujours être aussi instables. Surtout les provinces dans lesquelles nous avons à faire face en ce moment à des violences. On ne peut pas continuellement les déstabiliser. D'ailleurs, pour l'une d'entre elles, j'ai déjà même une idée, mais elle sera provisoire, c'est pour ça que j'ai besoin de ce gouvernement. Mais dans l'absolu, il faudrait vraiment que vous réfléchissiez à un mécanisme qui ferait que nos provinces vont demeurer stables, complètement stables. Il y a également une autre réforme qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle des nationalités. Non pas que j'ai une autre nationalité, mais j'ai vécu longtemps à l'étranger, je connais ce problème. Nous avons milité de l'étranger avec des Congolais qui ont d'autres nationalités, mais qui sont Congolais et qui se battent pour le Congo de la même manière que ceux qui sont au pays, qui aiment le Congo et qui investissent de leur temps et de leur argent pour ce pays. Et je trouve que c'est injuste de continuellement comme ça les tenir à l'écart. Un Congolais, quelle que soit la nationalité qu'il ait acquise après les péripéties de sa vie, est de nature attaché à son pays, à son peuple. Ça, c'est ce que j'ai toujours constaté. Le Congolais aime son pays. Même si parfois on en fait un peu trop, mais nous aimons notre pays. Donc il faut permettre à ces compatriotes, moi je les appelle ainsi, de la diaspora, de pouvoir être à l'aise. Maintenant, je n'impose rien, mais il faut leur permettre de prendre part au débat à l'intérieur de leur pays. Soit en participant activement, donc politiquement, ou soit en revenant. Et ça, il faut faciliter leur retour. On a commencé déjà avec l'obtention du visa, donc ils peuvent
prendre leur visa immédiatement à l'aéroport de N'Djili, enfin, ou à l'entrée, quelle qu'elle soit, à l'intérieur du pays. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, oublier, par exemple, demander un visa. Par exemple, on peut faire tomber pour un Congolais d'origine l'idée de l'octroi d'un visa. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on peut imaginer. Mais je pense qu'il est temps que nous mettions à profit ce réservoir d'idées, de propositions que nous avons à travers les Congolais de la diaspora. Beaucoup aimeraient faire des choses pour leur pays, mais sont bloqués à cause de l'administration. Donc je crois que c'est aussi important de voir les choses de cette manière. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Nous avons beaucoup d'autres réformes à faire. Dans la justice, par exemple, nous voyons comment notre justice, malgré les premières réformes qui ont été faites, n'a toujours pas amélioré son image. Je crois que ça, c'est important pour l'état de droit que nous voulons, que les Congolais, d'abord, pour commencer par eux, se sentent protégés par une justice crédible, une justice pour tous, mais également les étrangers qui vont venir avec leurs investissements. C'est important qu'ils sachent que au Congo, il y a des institutions qui vont protéger leurs investissements. C'est du bénéfice pour nous, pour nos peuples, nos populations, pour notre économie. Et donc, avec la justice, nous pourrons combattre les antivaleurs. Ça, je vous le dis, mesdames et messieurs, c'est plus qu'important. Nous devons, dès maintenant, mettre vraiment un focus sur la lutte contre la corruption, contre l'impunité, contre le blanchiment d'argent et bien d'autres choses qui sont à la base de nos difficultés. Le Congo est un pays riche, mes chers amis. Nous pouvons faire des miracles, vraiment des miracles dans les années qui viennent. Il ne faut pas attendre des générations, comme parfois je l'entends à Congo, Gobongalelote, tout c'est faux. Congo et Kokibobongalelo. Mais c'est à nous de mettre la main à la pâte, c'est à nous de fournir ces efforts, d'arrêter de voler notre pays, d'arrêter de le ruiner. Nous pouvons le faire. Et ça, je vous le demande vraiment de tout cœur, aidez-moi à réaliser cela. Vous verrez que ce pays sera non seulement un havre de paix, mais un Eldorado pour les Congolais d'abord. Et nous pourrons même, tellement qu'on sera heureux ici, faire venir même des autres populations africaines pour vivre avec nous ici. Mais faisons cet effort, s'il vous plaît. Nous allons avoir un pays qui, je vous le dis déjà, du poste de pilotage où je suis là, le nombre d'intérêts qui se manifestent pour notre pays à tous les niveaux, c'est impressionnant. Et tout ça malgré l'image de guerre, de violence, de corruption que nous émettons jusque-là. Donc, il nous suffit d'éradiquer cela, et nous allons commencer à refuser du monde ici, à N'Djili, à Luano, à Goma, à Kisangani et tout ça. Donc, on va refuser du monde, tellement le pays est brisé, et nous avons nous-mêmes aussi intérêt à entrer dans l'histoire du monde, dans la gestion économique de ce monde, parce que nous avons du répondant. Nous sommes détenteurs dans notre sous-sol de près de ou plus de 60% des minerais stratégiques. Ceux qui vont faire l'économie de demain se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? On va nous faire une guerre ici, comme en Irak, comme en Afghanistan. Des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera et nous ressemblerons à la Somalie. C'est ça qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Notre pays est très riche,
mais nous devons être d'abord, nous, les propriétaires de ce pays, et dire ce que nous voulons. Nous ne fermons les portes à personne, mais nous voulons que ceux qui vont venir ici tiennent compte aussi de nos desiderata. Ils vont se développer, mais nous, d'abord. Nous allons développer le pays grâce à nos ressources et nous allons faire la joie de ces investisseurs qui pourront aussi à leur tour se retrouver. Mais tout ça demande de la concentration, du sérieux. Si nous ne faisons pas attention, comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Donc je ne suis pas prêt, c'est pour vous montrer la détermination que j'ai, je ne suis pas prêt à vivre un tel scénario. Je veux conduire mon pays de telle sorte que demain, après-demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, tout le temps que ce pays, que ce monde sera monde, que le Congo reste uni, que les Congolaises et les Congolais vivent heureux dans leur pays, heureux et libres. Et ça, c'est possible, ça dépend que de nous. Parce que lorsqu'on vient déstabiliser un pays, on ne le fait pas directement de l'extérieur. On le fait grâce à des répondants que l'on trouve à l'intérieur. Et si nous ne faisons pas attention, nous restons distraits, moi j'appelle ça de la distraction, alors à ce moment-là, oui, on nous déstabilisera. Mais battons-nous parce qu'il n'est pas question qu'on vive cela. Je sais que vous aimez chacune et chacun d'entre vous là où il est, ce pays. Vous y êtes attachés comme moi et je sais que je peux attendre de vous la même détermination pour garder ce pays uni et le développer pour le bonheur de nos populations. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je ne sais pas ce qui est prévu après mon allocution, à part le fait qu'il y a un repas et peut-être une belle musique pour agrémenter celui-ci. Mais je ne sais pas si, comme la fois passée, il y avait des personnes représentant des groupes qui seraient désignés pour parler. Mais qu'à cela ne tienne, je tiens simplement à vous souhaiter bon travail pour l'investiture de notre gouvernement. J'ai appris que vous avez reçu vos copies. Donc faites le travail de l'examen de ces copies. Et je vous félicite parce que j'ai entendu que lorsque le Premier ministre vous a reçu caucus par caucus, vous avez été très virulent dans vos analyses et c'est ça que j'attends de vous. Il faut ne ménager personne. Il faut agir dans l'intérêt de notre peuple. Ne ménagez personne. Lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, interpellez. Faites votre travail. Moi, je vous encourage à cela. Il y a des députés qui m'ont écrit. Et je vous promets que je vous recevrai. Tout cela passera par le président de l'Assemblée nationale, bien entendu, parce que c'est par son truchement que j'avais reçu ces mémos. Je les recevrai, nous discuterons, il n'y a aucun problème. Je sais qu'il y a des députés qui sont déçus, dont les attentes ont été déçues. Je ne veux pas vous dire ici que je vous promets un poste ministériel, parce que je n'en ai plus, mais je ne veux que personne ne se sente abandonné, laissé en marge de cette action, de cette impulsion. Donc, on trouvera les voies et moyens
pour que tout le monde soit dans la dynamique et que à chaque niveau qu'il ou elle se trouve puisse apporter quelque chose à l'action de l'Union sacrée de la nation. Encore une fois, merci. Je vous rappelle que le peuple attend de nous des résultats. Souvenez-vous du moment où nous avons créé cette Union sacrée, du moment où il y a eu des changements à la tête des deux chambres, du moment où il y a eu la nomination du Premier ministre. Vous êtes des Congolais, vous étiez au Congo lorsque tout ça se passait, vous avez vu la joie qu'exprimait notre peuple, et donc cette joie est équivalente aux attentes qui sont celles de ce même peuple. Et ces attentes sont tellement pressantes que nous n'avons pas droit à l'erreur. Malheureusement, nous arrivons à un moment de l'histoire où notre peuple a tellement vu des choses. On les manche, mettons-nous au travail, c'est ce que le peuple veut. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse.